Ça fait que Winston a dit qu'il allait parler au maire de Brighton. Puis ils vont donner le nom de Tancred à la rue où ce qu'il a eu son accident. En Angleterre? Ouais. Colonel Rousseau's Lane. Ouais, je te dis qu'il est fin, ce Winston-là. Tu sais, il a des petits yeux là, qui plissent. Là. Tu sens qu'il rit parce qu'il aime le monde. Hein? Alors, faut lui donner 16 Anglais, ils l'ont le tour. Ils l'ont le tour en Sainte-Toupée. Mais c'est Tancred, lui. Comment est-ce qu'il prenait ça? Oh, ben, il en revenait pas, tu sais. Pauvre vieux. T'aurais dû le voir, lui. Il était tout timide. Tu sentais qu'il croyait pas. Il avait juste envie de se pincer pour se réveiller, mais il osait pas. On peut voir qu'il a jamais eu trop de chance, cet homme-là. Hein? Il s'en fout. Il s'en fout large. Puis, il me parlait de toi, Winston. Non, voir qu'il t'aurait parlé de moi. Il me connaît même pas. Hein? En partant, il m'a dit, « Vous avez une femme, Pierre-Paul, mon ami? » Hey, il m'a dit ça, mon ami, à moi, même si je suis Canadien-Français. « Il faut lui faire beaucoup d'enfants. Beaucoup, 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 beaucoup. » comment est-ce qu'il a dit ça, non? C'est pour ceux qui vont naître que nous luttons pour leur faire un monde meilleur. Il me dit ça. Cray Winston. Puis il m'a demandé ton nom. Mon nom à moi? Ouais, ouais, ouais. Flore. Beaucoup d'enfants pour jouir d'un monde en paix. Dites-lui... à votre Flore. Il te fait dire ça. Au moment où l'Italie demande l'armistice par suite des débarquements alliés à Salerne et à Reggio di Calabre, le général Montgomery visitant le 22e régiment a de My lord, hmm? May I come in? Ah, docteur, c'est moi que vous appelez ainsi? Tout l'hôpital parle encore de la grande visite que vous avez reçue. Moi, j'ose à peine entrer. Désormais, ce seuil est un lieu historique. Ne vous moquez pas de moi, je vous en prie. C'est la générosité de mon visiteur qu'il faut admirer. All right? Sa simplicité. En tout cas, vous êtes certainement un personnage très chanceux. Vos dernières radios sont superbes. Nous pouvons maintenant envisager votre retour à la maison. Is that so? À toute fin pratique, les derniers vestiges de lésions sont disparus. La motricité reste hésitante. Il faudra encore du temps avant que vous ayez recouvré toute votre aisance. Mais physiologiquement, rien ne vous empêche plus de reprendre une vie normale. C'est vraiment une chance inouïe. Oui, je crois, oui. En janvier dernier, quand je vous ai vu arriver, j'aurais pas donné cher de vos chances de survie. Une paralysie comme celle qui vous affectait, ça signifie habituellement un décès à brève échéance. Le patient dépasse rarement 12 mois. J'osais évidemment pas vous le dire à l'époque. Vous avez, colonel, une vitalité et un courage exceptionnel. Un courage? Mais c'est tout le contraire. Dans ce miracle, je ne suis pour rien, my God. Je n'ai pas cessé de pester, de me révolter. Si je survis, je le dois à beaucoup de personnes, dont vous, docteur. Je vous remercie du compliment. Mais c'est tout à fait technique, pratique, ce que je veux vous dire. Le coup a été très dur. Votre corps s'en souvient et va s'en souvenir le reste de votre vie. Pour achever votre guérison, il faut vous donner les meilleures conditions de vie. Parce que dans ma petite expérience de la médecine, s'il y a une évidence qui s'est imposée, c'est bien que notre humeur est toute puissante sur notre état de santé. I know. Cette vitalité-là qui vous a si bien servi jusqu'à maintenant, il faut lui donner maintenant la chance de fournir tout son rendement. J'ai vu des cas où elle se retourne contre le patient. Une espèce de rage destructrice le saisit, et alors le pire peut arriver quand tout augurait pour le mieux. Disons ceci, vous pouvez quitter l'hôpital à peu près quand vous voudrez. Mais je préférerais vous donner congé quand vous aurez pris la peine de bien réfléchir.
de vous donner à vous-même un projet de vie. Un bon plan pour une bonne vie. Vous la méritez. De toute façon, votre grande visite le dit bien. Je voudrais, mon cher colonel, que votre plaisir à vivre soit à la hauteur de votre bravoure. All right. Une puissante vengeance, je te dis. Hey, Winston par-ci, Winston par-là. Faut voir que je l'ai jamais vu fier comme ça. Hey, il me réveille la nuit pour m'entretenir de Winston. Tu dois donc être contente. Ben, pour Pierre-Paul, on peut pas dire, hein. Ça fait longtemps qu'il en guissait. Et dire que c'est les Anglais. C'est les Anglais qui ont fait un monsieur de lui, comme il voulait tant. Hein? Mm. Puis toi? Ah, moi? Moi, ce serait plutôt le Marsouin, là. Ça me fait un petit peu zire comme de raison par les petits le matin. Mais ça va bien. Ton, ben, t'as des nouvelles de l'autre? De Marcel? Oh. Je sais pas si tu vas en parler. Hein? J'ai fait une place dans mon cœur. Comme un jardin. Avec une clôture. Parce que faut pas que je le visite trop souvent, ce jardin-là. Ah, mais j'y vais de temps en temps. J'ouvre la porte, puis j'y parle en dedans de moi. Ah, j'amène le petit. Puis j'ai dit, fais bonjour. Parce que ce monsieur-là, c'est un monsieur ben estimable. Ouais, c'est un monsieur qui compte gros pour ta mère. T'as pas écrit? Non. Il m'écrira pas non plus. Faut voir qu'il est pas de même, Marcel. Ah non, ce serait pas lui de me faire du trou, Vasteur. Non, j'ai aidé qu'il l'a fait son jardin, lui aussi. Des fois, je me dis qu'on se rencontre là, sans le savoir. Chacun dans notre jardin. Puis tu leur verras plus, là. Jamais en personne? Ah ben, on peut pas dire. Moi, faut juste que je pense pas à ça. Pour tout de suite, c'est une tempête de malheur si je vire mon cap de ce côté-là. Mais la vie est pas finie. Il y a toutes sortes de courants, des vents qui tournent des fois. Non, je prie le bon Dieu, par exemple. Quand j'ouvre la porte de ce jardin-là, j'ai dit au bon Dieu, faites qu'il arrive juste des bonnes affaires. Des vraies bonnes affaires à ce Marcel-là. Selon ce que vous savez, vous. J'ai dit ça à chaque fois. Puis toi, tu me parles pas de toi? Oh. J'ai pas ta sagesse. Oh. Tu fais ta philosophie, là, au couvent? Oh, oui, philo 2, oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même philosophie. Hey, j'ai encore reçu une lettre de Tijan qui demande comment tu vas puis qui se plaint que tu écris pas gros. J'ai de la misère. Ben, faut y dire que t'as Camille, Esther. Il faut qu'il comprenne ça, Tijan. Ben oui, mais que tu gardes l'amitié pour lui quand même. C'est ça, hein? C'est pas juste ça. Dans sa dernière lettre, il racontait comment son unité a réussi à piéger sept Panzer quand il restait juste trois chars canadiens. Et puis qu'ils les ont eus au détour d'une petite rivière par surprise. Et comment ils ont fini la job, comme il dit, avec leur lance-flamme. Mm. Il était très fier. Enfin, avec raison, mais c'est difficile pour moi de lui envoyer des grandes félicitations. Mais tu peux parler d'autres choses. Je sais pas, moi, des petites nouvelles. Y a rien de facile pour moi ces temps-ci, Flore. Je suis inquiète pour Camille. Le service sélectif annonce qu'ils vont peut-être envoyer des étudiants se battre à leur tour, là, sur le nouveau front. Ben, tu sais, celui qui annonce pour le printemps. Mm. Oh. J'ai juste beaucoup de misère avec la guerre, Flore. Bon, c'est bien, t'es obligée de penser tout ça, toi. Mais c'est ta classe, ça, étudiante. T'as beau dire, moi, je croirais que tu l'aies fait, tes philosophies. Puis plus que tu penses. Au sujet de cette décoration, vous n'êtes pas fâché? Oh, que non, mon ami.
Non, je tenais passionnément à ce que vos mérites soient reconnus. Que ça vienne par Pierre-Paul plutôt que par moi, c'est plutôt joli. Hein? Vous n'allez pas être jalouse. Pensez-vous. Tout ça s'est passé beaucoup mieux que je n'aurais su le faire. Vous gardez votre précieux anonymat, votre savante et très orgueilleuse tranquillité. Et pourtant, vous a repéré. Justice vous est rendue, enfin. Même si tout ça reste secret, Monsieur Churchill a dit qu'il avait rencontré un grand seigneur. A noble figure of a man, c'est ce qu'il a confié l'homme. Je n'ai fait que bafouiller pendant ces 10 minutes. Mais le scotch était excellent. Il faut que je trouve le moyen maintenant de remercier notre Pierre-Paul. Oh, vous ne croyez pas que sa récompense est déjà suffisante? Qui d'autre à Québec se permet de parler de Winston? All right, but j'aimerais tout de même faire un petit quelque chose, pour le plaisir. Ah, j'aimerais bien que Marie emprunte un peu de vanité à son frère. Elle aussi, on l'a apprécié. Mais si vous saviez quels efforts j'ai dû déployer juste pour qu'elle rencontre Mme Churchill. Marie a rencontré Mme Churchill? Elles ont couru les emplettes ensemble. Marie l'a conduite avec beaucoup d'élégance chez Léonard, le bottier, puis chez Old Friend Flew. Oh, my God! Tout comme vous, Marie a fait forte impression. Mais on m'a demandé par la suite, qu'est-ce qui tenaille cette femme? On l'a sentie, voyez-vous, pleine de réserve, pleine de mystère sur certains sujets. Oh. Les mystères de Marie, c'est assez simple, finalement. Vraiment? Marie fait la guerre à la guerre, toute seule, comme un objecteur de conscience, pratiquement, sans trop savoir clairement pourquoi, par instinct surtout. Dans une société qui glorifie seulement la fierté de guerroyer. Pauvre femme. Et qui, au surplus, a probablement raison. All right? Vous avez pour elle une tendresse très spéciale. All right. Et je voudrais bien ne plus l'importuner. Il va falloir que vous m'aidiez, Corinne. Je dois repenser ma vie d'une façon tout à fait différente maintenant. Tout à fait. Il faut que je prenne garde. Prenez garde, en effet. Il y a des choses au sujet desquelles je saurais devenir jalouse. Ah, j'ai moi aussi mes petites limites. Cher grand ami. Absolument. Le 2 octobre, à 8h30. Qu'est-ce qu'on fait, là? On s'occupe de la question nationale. Ben, c'est politique, bien sûr. Vois-tu, le bloc universitaire, c'est affilié au bloc populaire. Ah, oh, mais après, on tasse les chaises, et puis on danse le folklore, hein? Non, je suis pas bonne. Je les connais pas. J'ai fait ça rien qu'une fois. C'est pour apprendre, justement. Je sais pas si j'ai le goût. Ça vaut bien le boogie-woogie, hein? C'est notre tradition à nous autres. Qu'est-ce que t'as? T'es drôle, tu bougonnes, c'est pas ordinaire un matin. Toutes vos activités d'universitaire, là, des fois ça m'étourdit. Pourtant, tout le monde t'apprécie. Tu fais partie du groupe. On s'ennuie quand t'es pas là. La politique, je pense que je comprends pas vraiment ça. Oh! Qu'est-ce que tu me racontes, là? Mais c'est vrai! Tu trouves ça important? Quand on se débat pour empêcher le gouvernement de fermer les universités, hein? De nous rentrer de force dans l'active? Oui, mais c'est pas la même chose. Préparer l'après-guerre, là, c'est important. Autant. Hein? C'est ça qu'on travaille au bloc. Ben, nous autres, en tout cas. Dans quelle sorte de pays on veut vivre après? L'après-guerre. S'il y en a un, une autre belle illusion, ça. Colette, c'est quoi la mauvaise humeur? Tu cherches la chicane? C'était peut-être pas une bonne idée que tu viennes m'aider ici.
te le dire. C'était pour le plaisir d'être avec toi. Moi, je veux pas t'embarrasser, hein. Ça m'arrive de vouloir être seul, et puis, ben, je peux comprendre que les autres en aient besoin aussi. Non, je veux pas que tu t'en ailles non plus. Là, tu me mêles. Je suis mêlée aussi. C'est quoi? Si t'essayais de me le dire. On avait tout arrangé ici, lui et moi. Pour se faire un coin à nous autres. Lui. Tu veux dire. Tijan. Je comprends. Il me parlait de l'après-guerre, lui aussi. Comment il n'y avait pas le choix, comment. L'armée, c'est à sa chance. Comment il changerait de tout quand il reviendrait? Ceux qui reviendraient. T'aimes vraiment pas mieux que je m'en aille? Prends-moi dans tes bras. J'ai de la misère. Quand je pars bien avec toi et puis que je pense qu'on enlève ça à quelqu'un d'autre. On n'enlève rien à personne. C'est toi pis c'est moi aujourd'hui. Tout a l'air tellement injuste. Aimes-tu mieux être avec lui? Mais non! C'est bien ça. S'il était ici, je lui dirais en face, correctement, ce serait franc. Tandis que là, on a l'air des embusqués, toi et moi. Tous les deux qui se cachent par en arrière pour se faire un petit abri bien égoïste. T'inquiète pas, Colette. Mon tour va venir. Pas plus tard qu'en mai prochain. La guerre ne paiera rien pour attendre. Tu vois, ta mère a raison, finalement. Faut se battre pour ce qu'on croit. Moi, le bloc universitaire, c'est un peu ma façon de vivre avec la guerre. Préparer ce qui va se passer après. Tu penses pas qu'il faut se battre aussi? Parce qu'on aime. Allô, allô, les amoureux? Hey, comment tu l'as trouvé, toi, Mary? Mary. Hey, Mary, la fille de Winston. Hey, je vais pas raconter ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, qui s'est passé au château, là? Qui s'est passé de plus important? Pour moi? Hey, j'ai demandé les boutons d'un véritable gentleman. Et c'est Corinne Saint-Pierre elle-même qui les a choisis. Hein? Chez Bucks, all right. Mais oui, mais pourquoi? Si M. Tancred voulait te faire plaisir, voyons, on ne demande pas pourquoi. On dit merci. Ah oui, merci, merci. merci certain. Mais... Vous ne m'avez pas raconté comment vous-même vous avez fait la connaissance du premier Britannique. Oh, c'est bien ordinaire. Ben, on était là, dans la suite, hein? Puis on attendait. Ça faisait du jour. D'un coup, on entend quelqu'un qui crie dans le corridor. Where is my bath? Where is my bath? Puis on voit rentrer ça, cet homme-là. Qui se met flambant nu tout de suite en arrivant. Lui, là, il fait ni une ni deux, hein. Il embarque direct dans l'eau bouillante. Fait que j'étais de l'autre bord de la porte, et puis... je l'entendais qu'il faisait ses glou-glou, content comme un marsouin. Fait que j'ai eu l'idée d'y apporter un scotch, en plus. Hey, Jean? What's your name? Tu sais, il me dit ça un peu raide, puis... moi, ça m'a un peu choqué, fait que sans même penser, je lui réponds, c'était plus fort que moi. Pierre-Paul? And what's yours? Ben, après tout, moi, j'avais essayé d'être gentil, hein? Là, il est parti à rire. Ça a pris à peu près une demi-seconde. Je savais pas si elle allait me faire fusiller ou ben quoi, là. Pas en tout, oui, le grand rire. Hein? Winston, you can call me Winston. And what do you think about the war, Pierre-Paul?
Fait que là, on s'est parlé. Is that so? Ben alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Ben, c'est là que je lui ai parlé de vous. Moi, la guerre connaît rien là-dedans. C'est une affaire pour les Anglais. J'y ai dit que je connaissais le plus grand héros de tout l'Empire britannique. Comme ça que ça s'est passé. Le reste, vous le savez. Vous lui avez dit ça? Le plus grand héros? Ben, s'il pense ça, Pierre-Paul, il faut le laisser faire, monsieur Tancrède. Il est pas tout seul. On a le droit, chacun sa classe, chacun son rang. My God, vous lui avez dit ça? Certain. Et puis j'en ai mis, hein. La preuve, c'est qu'il est venu. Puis il a pas été déçu, hein, en partant. L'entendait qu'il disait dans son cigare, « Good chap, good chap. » My God! De pouvoir que ça fait depuis longtemps qu'il vous arrive des bonnes nouvelles. Oh, puis la garde malade a dit que vous allez revenir au Parc des Braves d'un jour à l'autre. Je suis assez contente. Eh bien, merci, ma bonne Flore. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, oui. Mais je ne pense pas que je vais rentrer au Parc des Braves. Ah non? Mais c'est un peu comme si une nouvelle vie m'était donnée. Enfin, la chance de recommencer à neuf, tu comprends? Alors, je voudrais éviter de répéter les mêmes gâchis. Oh, voir qu'un beau grand monsieur comme écoute, vous répète. Je vais te faire une confidence. J'aurais le goût d'avoir mon petit appartement à moi. Et une garçonnière. Une garçonnière? Ah oui, oui, comme Duplessis. Un appartement de monsieur. Un appartement de grand monsieur. Voilà, petit Jean. Tu sais tout. Je t'ai tout dit. C'est tellement bête pour une fille d'annoncer ce genre de nouvelles à un soldat qui se bat. Mais comme je te connais, il me semble que tu vas comprendre. J'ai une estime terrible pour toi. Mais j'ai besoin, justement pour pouvoir continuer à t'écrire en toute amitié et en toute liberté, que les choses soient claires. T'as quand même toute mon affection. Et ça m'importe beaucoup ce qui t'arrive.